Comment sais-tu ? Je les ai fait construire afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance ? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 6, j'espère que vous suivez toujours. C'est le courant de ces geysers. Jusqu'ici. Mais, il est énorme, on devrait peut-être y aller plus tard. Nous le voyons très bien d'ici. Et on devait refaire deux forages, évidemment, donc on y va, let's go. Pour réparer les erreurs de Mimir, hein, qui avait totalement déconné à ce sujet-là. Et après, on va pouvoir reprendre, évidemment, la quête principale. Donc, c'est parti. Dites-vous qu'on est, évidemment, encore qu'au début du jeu. Avant d'aller voir Nurlin. Eh bien, ça peut être excessif. Ok, il y a un marchand ici. Très bien, très bien, très bien. Je ne me plains pas. Nous avons ici même une porte. Est-ce qu'il faut l'activer une première fois pour pouvoir retourner là? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, le creuset, les yeux, bon, on est parti. Quoi qu'il arrive, c'est fait. Donc, pas de place pour, évidemment, la déception. Ok. Là, ça veut dire on a quoi, des ressources? Non, mais on peut monter. Il y a quoi là-haut? Il y a rien en plus. Attendez. Ok. Attendez, 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 je ne pige pas là. Donc là, ça va être de la totale découverte. Je pense que cet épisode va être basé sur le forage, à mon humble avis. Il en reste quand même deux à faire. Et là, on... En fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'on découvre des trucs qui n'ont plus rien à voir à chaque fois. C'est une région secrète. Une tour de guet. Très bien. Qui n'ont... Il est encore là? Quoi? L'île près du geyser. Nous devons y récupérer la clé et ouvrir cette porte. Nous devons... Je dois... Réparer. Non, c'est rapide. Vache. Ok. Bien joué. Tu brûles, Kratos. Hop. Ça passera. Viens, Alpha. Allez. Ok, on va essayer de lui casser la gueule dans les règles de l'art. Allez, mon petit pote. Ok, ok, ok. Allez, allez. Hop, 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 hop. Petit calme-toi. Voilà, let's go. Oh la vache, bien joué à toi. T'es le meilleur, mon pote. Hop. Non! Ah, dommage, dommage! Attends, pierre de Réa, bien sûr, bien sûr! Oh là là, merci, moi, Atreus! Allez! Oh, bien joué, bien joué! Ça, c'est du latéral, hein, on nous fait toujours! Ok! 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 Esquive latérale. On est dedans, on est dedans. Il est rapide. Let's go, let's go. Ouh, c'était chaud. Né dans les flammes. Allez, ça c'est super, on prend. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. C'était tendu hein les gars hein. C'était tendu, un mini boss comme ça. Manches qui ont appartenu. Ok, attendez, attendez, ça me plaît ça. Ça me plaît. Pop, 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 pop. Chance faible à chaque coup de lame d'obtenir une augmentation de force et de pouvoir runique. Un accès à la rage à chaque élimination. Moins 4 en force, par contre, plus de chance. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop risqué d'utiliser ça. Ok. Et bah écoutez, on a commencé sur un mini-boss qui était chaud. Il m'a fait utiliser une pierre. Mais l'avantage, c'est qu'avec le marchand en bas, on va pouvoir normalement la récupérer sans aucun problème. Et il faut récupérer la clé aussi, hein, les gars. Une prisonnière, en quelque sorte. Ok. Il faut récupérer la clé, et c'était près du geyser, justement. Donc, on a toute cette zone à fouiller. Je pense que ça va bien nous prendre effectivement un bon épisode, à mon humble avis. Alors, frérot, lui, je vais lui acheter une pierre, c'est sûr.
Objets spéciaux. Hop, c'est acheté, rien à péter. Oh, ça coûte cher les pierres, d'accord, ok, ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a là? Un plastron. Oh, il est incroyable. Il est stylé. On achète. Hey, on achète parce qu'il est super stylé. Nous avons fabriqué. Elles sont usées. Eh bien, peut-être prendras-tu meilleur soin de celle-ci. Ok. Doute. Alors. Je vais désinfecter mes outils. On est reparti. Nouveau plastron, assez cool. C'est la Swagance. Ça, c'est notre bateau. Eh ben, écoutez, direction la suite de nos aventures, c'est-à-dire... Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. La tour de forage, évidemment. Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les Azes? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Ah. Bah bravo. Mentir, c'est mal, bordel. Région secrète découverte, tour de Ratsvin, un classique, évidemment. Ok. Ah putain. D'accord. Ok. Oh la vache. Ok. Oh, let's go! Ok, c'est terminé pour toi, mon pote. On va utiliser The Hash. Hop! Voilà, ça c'est cadeau, c'est bien plus cher égal. Hop! Ishbria! On est sous le bas, j'en règle! C'est quoi cette merde là, frère? Oh la vache! Ok, très bien. Allez, superbe. Excusez-moi, mais dans les phases de combat, je suis toujours en pleine concentration, incroyable. Oh là là, ce retour! Ok. On va aller là-haut. Parfait. Oh, yeah. Oh putain, mais en fait ça garde gelé les ennemis en fait quand on vous laisse l'âge. Incroyable. Si je peux me permettre. Désolé, j'ai plus trop de détails de. Il est où le last? C'est ça. Ok. Ok. Il est là. Je l'ai. Allez, ça dégage. La petite racaille comme ça, là, volante, là. Ça me plaît pas trop. Ok. Là, on a quoi? On prend de la vie. Life is life, là, 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 là. Let's go! Allez, ouvre-moi ça. Éclate-moi ça, fais-moi rêver. Très bien, ça. Ah. Tout va bien, Mimir? Pour les forgerons de Svartalfheim, la création d'une arme est un acte sacré. Mais Odin voulait simplement le plus grand nombre de lames possible, et le plus vite possible. À chaque ressource extorquée, chaque piètre lame forgée, les nains perdaient un peu d'eux-mêmes. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Attends. Le coffre est verrouillé L2R2 pour enflammer les torches. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, avec, je suppose, les lames. Très bien. Va les trouver, toi, les autres. On a un mini-coffre ici. Hop, on prend. Va les trouver, les autres.
Il y a peut-être quelque chose là-haut, non? Ah, j'ai. Alors, attendez. Attendez. On va passer là-haut. On va prendre ceci. Superbe. Ça, c'est fait. On a 2 sur 3. Ce qui n'est en soi un résultat pas trop dégueu. Est-il toujours moral de tuer une créature qui cherche à te tuer? Oui. Tu as ta réponse, petit. Des yeux d'Odin. Où est le last? Ne bougez pas. Il y a tellement de détails que... On sait jamais, je préfère tout faire péter. Ok, on a un truc ici, dis donc, incroyable. Nouveau parchemin de connaissance. Grimper les échelons. Il est là. Ok, petit. Il est là, let's go. Allez, régale-moi. Oh la vache! Il est là! Une pomme. C'est la vie. Vous avez collecté 1 sur 2. Très bien, je prends. Direction 3ème zone de forage. Ok, superbe. Très content, choqué, pas déçu, comme on dit dans le milieu. Y a pas de souci. On avance très très bien. Et je suis heureux de faire des quêtes secondaires dans ce jeu à chaque fois. Putain, j'ai l'impression que la luminosité, elle est extrêmement élevée, non? Non, fausse alerte, c'est normal, c'est totalement normal. Forage juste en face! Tu n'as pas tort, mon frère. Odin aurait massacré les nains de Svartalfheim jusqu'au dernier. Il n'aurait laissé personne profiter de leur talent à sa place. Ok. Alors, il y a... Oh, qu'est-ce donc que ceci? Un coffre? On peut pas le prendre, hein, je suppose. Il y a un truc qui va permettre, à mon humble avis, de baisser le niveau d'eau. Combien d'histoires as-tu raconté sur Odin et Thor et tous les méfaits qu'ils ont commis? Voyons de combien on peut se souvenir. Père a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Ma mémoire n'a pas besoin d'être rafraîchie. Ils ont attaqué notre maison. Je sais, mais je parle d'histoires, de tous les autres gens à qui ils ont fait du mal. Alors, il y a eu Tamur, le tailleur de pierre. Oui, qui est sorti une nuit pour trouver son fils avec qui il s'était querellé, mais... Assez. Nous continuerons plus tard. Vous okay. Sentez la fumée? C'est une autre tour de forage. Tu évoques tes actes avec honte. Regrettes-tu d'avoir empêché Odin de les tuer? Non. Allez, encore les yeux d'Odin. What the fuck? Je croyais en avoir vu un deuxième. Je me serais dit que ça faisait peut-être beaucoup. Alors, qui peut sûrement se balancer à ce truc à lever. Un portique. Portique. Merci. Ok. Très bien. Et là, on a rien, c'est ça? On a rien. Alors, on va falloir suivre délicatement. Non. On sait jamais. C'est rouge, alors je me dis peut-être du feu. Non. Et ça, ça fait quoi? Très bien. Ok. Pas tout à fait. Très bien, très bien. Attends. Ça, qu'est-ce que c'est? Non. Ouais. Là, on a quelque chose. Ouais, ça va être un merdier, ça. Ça, je te le dis, mes aïeux. Ça va être un merdier. Et là, c'est quoi, ça? Putain, c'est ouf que je l'ai pas. C'est un raccourci. Ici, c'est le bouclier. On peut rien faire à part l'endommager. Mais faut être déjà en haut. Donc, la solution à notre énigme est ici. Mmh.
On a des runes en bas. Alors là. Ok. À l'époque, je me souviens, il fallait geler quelque chose. C'est très embêtant. Ah, c'est ça le geyser. Michael Jesus. Putain, c'est pas vrai. Attendez. Non. Ok. Ok. Alors. Ok. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, il y a un système de niveaux. C'est-à-dire que il y a ce niveau-là. Ce niveau-là. Ce niveau-là. Ce niveau-là. Ce niveau encore plus haut. Attendez, c'est moi qui active le geyser à droite, là? Je suis totalement fou. Ok, non, je croyais que c'était moi qui influait le Mike Jesus. Ok. Bon, ce niveau-là, on ne peut rien faire, ce niveau-là. Ça doit être au bon niveau. Bah oui, mais ça, j'ai bien compris. Ah, yes. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est rien. C'est tonneau. Il sent l'essence. Je suis sûr que le feu de tes lames pourrait les faire détonner. Ok. Donc il faut des tonneaux pour détruire les grosses portes bien solides, évidemment. Quoi, ça... oh, putain, j'ai eu trop peur. Ok, c'est bon, c'est bon. Plus de peur que de mal. Il était bel et bien mort. Ok. Oh, ça fait... c'est une arène, ça. On pourrait faire s'effondrer le sol ici. Tu trouves un endroit assez haut d'où t'es lancé. Ouais. Alors attendez. Attends, calme-toi Kratos. Vraiment, t'es très énervé. Ok, j'ai. On va passer par-dessus. Hop. Ça va se mettre à vivre, hein, je te le dis, hein, c'est terrible. Yes, d'accord. D'accord. Alors dans ces cas-là, il faut que je relève encore le niveau de ceci. Pour pouvoir... Non, dommage, j'avais une chance sur deux. Superbe. Allez, on est bon. Bon, on a réussi à... Il a fallu un petit peu de temps, J'ai eu quelques appels en plus en parallèle qui ont fait que j'ai dû couper le record. C'est terrible. Mais l'important, c'est qu'on ait réussi à avancer, évidemment. Ok. Superbe. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Une petite batcave là, un petit truc secret là. Hop, un peu d'argent pour les braves. Yes, on a quelque chose ici, on peut grimper. Non mais quel enfer. C'est étonnant que les nains n'aient pas arrêté ces tours. Certains ont essayé. Les Enériards en ont fait des exemples. Ils ont tué des nains. Tu n'aurais pas pu les en dissuader? Hélas. Ok. Un petit oiseau là. Très bien, donc on a la hauteur requise et maintenant, let's go! Oh là, let's go! Bien joué mon fils! Alors, qu'est-ce que ça dit? On prend la lecture? Impressionnant. Ok. Très bonne nouvelle. Je sais pas du tout ce qu'il y avait. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est là où il va falloir encore rabaisser le bordel. Très bien. Ok.
Et ben on y va de ce pas. Attends, ça, ça dégage. Attends, ah, je sais jamais si ça se met à revivre. Au moins, j'étais au courant. Alors attendez. Maintenant, faut le mettre tout en bas. On n'a plus besoin de celui tout en haut, vous l'aurez compris. Ok, superbe. Allez. 1, 2, 3, voilà. Ok, let's go. Donc on peut descendre. Ce qui va nous emmener ici, dans un coffre incroyable. Évidemment. Ok. Très bien ça. Très très bien. Très très bien. Ok. Alors maintenant. Maintenant faut avancer. En fait tout ça nous a pas aidé à avancer. En tout cas pas vraiment. Donc je pense qu'il faut refaire le tour, c'est ça? Attends, tu raccourcis des familles ou pas ici? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors que ici. Attends, tu raccourcis non. C'est de là où on vient, on va passer par là. Attendez, c'est un merdier sans nom là maintenant là. Tout ça c'était pour un coffre. What the fuck les amis, c'est la vie de la farge. Tu me reconnais, tu m'as peut-être vu. Ouais. Ok, ça c'est bon. Putain mais quel merdier. Non, 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 non. Attends, j'ai pas envie, descends au calme. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Là, il y a un bail. Oh putain, je l'ai. Il faut le remettre tout en haut, aller là-haut, et là, à travers le mur, t'as compris quoi. Attends. Dernier check-up en bas quand même. J'ai pas envie d'être déçu, hein. Non, on a un truc ici aussi, non? Mais quel merdier! Ok, attends. Je me perds, mais. Il peut y avoir des prises n'importe où, c'est terrible! Bon, on va remettre ce truc. Attends, on va checker en bas une dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah! Ça devrait aider. Alors attends parce que je l'ai pas. Ça devrait aider. Ok, donc là il n'y a plus rien, on est bien d'accord. On a littéralement plus rien en bas à faire. Ça devrait aider. Ok. Oh, toujours les mêmes énigmes. Qu'est-ce que ça devrait aider? Est-ce que... Attends. Non. Ah, ça nous fait une plateforme plus haute. C'est pas évident, cette plateforme. Je pense que c'est ça. On repasse par la plateforme là, parce qu'on a gagné un niveau ici. Bien sûr, je ne crois évident. Pas qu'on puisse l'atteindre d'ici. C'était évident, ok. J'ai compris le jeu, les gars. Il en aura fallu du temps hein, pour une simple oui, plateforme. Ça a l'air bon. Mais ça offre tellement de possibilités. Encore une fois, c'est ça. Un level design plutôt bien trouvé, bien convenu. Ok. Pas si dur. Et maintenant, il faut aller à cet étage là. Donc maintenant, je suis quasi persuadé, on peut le monter. Comme ça, ça sera déjà fait, il n'y aura pas besoin de revenir. Voilà. On va faire le tour au calme. Et on va remonter où on était. Superbe. On a fait un petit raccourci, ça nous évite. Ça nous évite ce temps perdu à faire des allers-retours, même si on en a déjà perdu suffisamment dans cet épisode. Putain, ce forage, excusez-moi du peu, mais. Il donne du fil à retordre, hein. Allez, file, file mon fils. Ok, let's go. Et c'est pas terminé, hein. On peut aller à droite encore.
Oh, ça marche. Oh, oh, ça c'est beau. Celui-là il est beau. Première fois qu'on le voit, il me semble. Dans les pattes. Allez. Ça leur apprendra. Attention à gauche. Ok. Superbe. Let's go. Alpha. Super. Super. En fait, Atreus, giga utile. Y'a rien à dire. Let's go, c'était le dernier. Incroyable, on a fait les trois courages. Quête secondaire totalement accomplie. Est-ce qu'il faudra retourner voir le man? Par contre, sous ça, on va voir. Allez, let's go. Une bonne quête de fait. C'est terminé. Peut-on se réjouir d'avoir accompli une tâche aussi mince? Oh. Une simple goutte d'eau dans l'océan des méfaits d'Asgard. Tu dois vivre avec tes actes, mais ils ne doivent pas te troubler, mon frère. Hein? Et pourquoi donc? Tu t'es vu confier un problème insoluble. Ne te reproche pas de ne pas l'avoir résolu. Je doute que les nains le voient de cet œil. Cela n'arrange rien. Non. Mais c'est un début. Oh là là, Kratos, toujours cette... Pour rappel, mon frère, les scories de Svartalfheim qu'on a ramassées pourraient être d'une grande utilité à Brock et Sindri. On a essayé. Attends. Ça sera ici. Superbe. Ça. Hop, ça sera notre rack aussi. Ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Joli. Je sais, mon fils, je sais. Oh. Très beau coffre. Ça me plaît. J'aime bien. Attaque runique rapide. Attaque tournoyante. Très bien. Ça s'équiper, former une couche de glace, ça j'aime bien ça. Attaque tournoyante. Ça étourdit pas mais ça fait un peu plus de damage. Et inflige d'énormes dégâts. Oh, c'est pas mal ça. Je vais équiper ça plutôt. Je vais équiper ça et j'ai pas assez d'XP de Kratos. Malheureusement. Et là on a rien. Là on a rien. Là on... Que dalle non plus. Eh ben écoutez... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce... What the... Ok, c'est plus sur la boussole, je crois. On est bon? Je peux me casser? Attendez. Est-ce que je peux me casser? Ça a l'air. Mais pas ici, de toute évidence. Merde, alors. Ah oui, c'était là-bas. Eh bien, écoutez, nous avons réussi cette quête secondaire de main de maître. On va essayer de voir s'il y a une petite issue pour finir avec le bateau l'île du geyser. Parce que apparemment il y a une clé. L'air semble plus respirable. Et ça peut être très cool sans pour l'épisode parce suivant. Qu'on a arrêté les tours. Donc allons à l'île du geyser récupérer cette clé. Ça peut être pas mal. Et après on fera un petit tour du bord de carte comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Encore une fois, incroyable. Incroyable, c'est toujours le papa de l'année, ça bouge pas. Quelque part sur cette île. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Le poids des chaînes commencé. Bye bye tout le monde.